Boudica, dont le sort avait autrefois reposé entre mes mains, dirigeait à présent une armée forte de milliers de tribus. Et leur gigantesque bête de siège était à nos portes. Tous les maux de l'Empire étaient rassemblés dans la capitale. Nous devons tous répondre de nos actes, Néron. Mais c'est le peuple de Rome qui s'apprête à payer pour les tiens. Ah, Boudica. Ton ennemi n'est pas Rome, mais bien Néron, qui a fait assassiner nos pères. Et nous obtiendrons vengeance. Mais si l'Empire de Rome venait à tomber, le monde serait plongé dans le chaos. La civilisation serait détruite. Je ne peux pas te laisser faire ça. Et salut toi derrière ton écran, c'est Gabriel, j'espère que ça va comme tu veux. Épisode 6 du Fast Rise, on est en plein dedans, c'est le bordel. Attends, où sont les gens? Où sont les... Ouais, c'est là, ok, d'accord. Incroyable. Bon, ça commence comme ça déjà. Je vais essayer de défendre mes potes au mieux que je peux. 100%, la barre en haut, c'est... mes collègues qui se font massacrer les pauvres. Je fais ce que je peux, hein. Côté. Bon. J'entends rien ce que tu dis, gros. J'entends rien du tout. Mais laissez tranquille, gros. Je peux pas faire grand chose à part. Ah, je sais, mais bon. Les icônes me. On va tirer mon attention. Potentiellement, c'est eux qu'il faut dégommer. Voilà. On entend rien. On entend que dalle, hein. On se rapproche de la moitié. C'est bien d'avoir des flèches infinies. Oh. Carrément quoi. Ça se dégage. Désolé, hein, je suis un peu focus. C'est vrai que c'est... mettre les pieds dans le plat comme ça d'entrée de jeu là. Hein. Hop, ça dégage. Mon crâne. Et on vient de... Ah, peut-être pas dépasser la moitié, mais presque. Ok. On va essayer de faire un carton. Ah. Le moral de Rome flanche, je m'étonne. Ça veut dire qu'on est passé sous la moitié de la barre. Allez. C'est comme sur les remparts. Faut tenir bon. On pensait que c'était foutu. On a réussi à tenir. Je sais pas si la volée de flèche elle vise là où je vise, d'ailleurs. Oui, ils arrivent à l'infini, ça sert à rien en fait. Et...
Ouais, ça me paraît compromis. Peut-être après que je ne vise pas les bonnes personnes aussi. Ouais, il n'y a plus de, y a plus d'archi ou quoi. Donc, je suis désolé pour les zooms, hein. Chaque fois que je tire, ça fait ça. Hein. C'est pour nous qui décide de viser comme, comme ça. Est-ce qu'il faut viser les... J'aime pas du tout le système de viser, hein. Ça me... Même moi, ça me nique les yeux, je le dis. Ouais, je sais, hein. Je sais, je fais ce que je peux, hein. Donc, je crois que je me suis concentré sur la mauvaise personne dès le départ. Je pense. Peut-être qu'on va être au... à la limite de la limite de la limite. Ouais, c'est eux que j'aurais dû viser dès le départ, tu vois. Clairement. On ne s'arrête pas. Ouais, c'est compliqué. J'aurais dû me concentrer sur, sur eux. Tu vois. Là, je peux plus faire de volée de flèches. Je fais ce que je peux. Les flancs de guerre, ça va dégager. En tout cas, j'ai l'impression que j'arrive mieux les contenir depuis que je vis ces cibles-là. Pire système de vise, hein, je vous le dis. Les gars. Oh. Oh là là. Allez, j'ai du bol. Hein. J'ai besoin de tous les hommes disponibles. Non, c'est moi qui vais la lancer. C'est du suicide. Je ne vais quand même pas te laisser récolter tous les honneurs. Ok, rassemblez les enfants pour les vidéos. Ok. Allez. La réserve de la 4e cohorte s'est assemblée. Mais l'ennemi a percé nos lignes. Les assauts ont lieu un peu partout dans la ville. On discute point. On avance plus.
Lucas. Ouais, c'est vrai. Non. Hop. Bon, c'est quand même crevé là. Merci. Hop. C'est bizarre, ce Vitalion, il est de l'autre côté et on part par là pour aider. Étrange. J'ai envie de mourir. Merci. Et hop, quoi? Ah, on s'en lasse pas. Hein. Vraiment. Oula, dis donc. Besoin de moi par là ou pas? Allez, les gars. En route. Allez, par ici. Quand je dis par ici, mais en vrai. Faut dégager le passage. On se trouve, fallait monter l'escalier. Allez, faut les défendre. Un groupe ennemi. T'inquiète. Les musiques et tout, c'était incroyable. Là. Légionnaire, en position défensive sur le flanc gauche. Voilà. Archer, placez-vous derrière moi. Couvrez-nous. Mais les gars, je suis pas... protégé là. C'est pas gentil ça. Les archers, c'était trop tard. Je sais pas si j'ai encore besoin d'XP, mais en vrai je pense pas. Putain. C'est tombé ça, hein. Je crois. Hein. J'ai du bol. Voilà. Non, parce que ça, on va pas finir. C'est pas si tulle que ça, mon truc là. C'est un scorpion, je crois. Pas sûr. Ça là, je suis pas sûr. Bon, ça se passe comment de l'autre côté? Ça se passe? Oui, c'est beau. Hop. Non. Non. Faudrait deux fois, c'est beau. Ils sont en train de tenir, c'est sûr, ils sont en train de tenir de l'autre côté. Je suis pas sûr. Hein. Pas persuadé de ce qui se passe. J'aurais les aider eux en fait. Ouais. Non, je sais pas. C'est frustrant. Effectivement, il nous faut des renforts, mais le problème c'est que c'est nul le renfort, donc je comprends que c'est compliqué. Ouais, plus rapide. C'est bon? Venez par ici. Ah merde. Oula.
Les archers, s'il vous plaît. Un gros balèze. De l'aide. Faire ça. Ah, plus les archers qu'on a besoin. Hein. Ok, on a dit. C'est bon, on se casse. Bon, voilà. Je cours rejoindre notre commandant. Rob ne tombera pas. Mais bien sûr que non. Vous arrêtez pas. Hop. Alors. Est-ce qu'on va buter tout le monde ou pas? Tant qu'à faire, on a tellement de rage que bon. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté, vois-tu. Bon. Il est tellement dégagé en enfer, lui. Tellement régénérer de la rage et tout que bon là. Ça se passe plutôt bien, tu vois. Je peux pratiquement faire de la rage infinie. Ah. Marius, fils de Rome, lève-toi. Il n'est pas trop tard. Ton destin t'attend. Regardez autour. Comment pourrais-je sauver Rome? C'est la fin. Ne perds pas de temps à arracher les pétales. Coupe la tête. Général, on ne les retiendra plus longtemps. Boudica. Général ? Général, j'ignore combien de temps nous tiendrons. Les dieux sont contre nous. Nous devons... battre en retraite ? Fuir ? C'est pour me dire ça que tu es venu ? Que tu as abandonné tes hommes. Les dieux nous ont choisis. Et tu voudrais fuir. Je devrais te tuer moi-même. Tu fais honte à tes hommes. Tu fais honte à ton général. Tu fais honte à Rome. Je te le jure, Centurion. Rome ne tombera pas. Pas aujourd'hui. Nous battrons. Dis à ce qui reste de la 6ème Légion de venir renforcer le flanc ouest, que la 5ème quitte la vieille ville et fasse pareil. Je vais repousser l'ennemi devant le palais avec ce qui reste de la 14ème. Vite! À vos ordres! La ligne de front résistera. Même si je dois la tenir moi-même.
Ah, il déterre. Hein. Il est déterre. Quoi ? Bien. Bien joué à la berge. Ouais. C'est quand même tendu, on peut pas dire. Hein. Enfin, je suis pas pessimiste, hein. Mais c'est quand même tendax. Par ici, général. Les forces de Boudica ont envahi le forum. Quels sont vos ordres ? Il faut éliminer la garde rapprochée de Boudica et la tuer. En tout cas, toujours aussi impressionnant techniquement. Ouais. C'est un vrai plaisir de faire les 100% sur ce jeu. Tous les barbares sont la berge. Attends, mais j'ai voulu le surprendre, je n'ai pas pu. Dommage. Récupère un peu de santé quand même. Aussi nombreux. Pour une focus en même gars. Heureusement qu'il ne m'attaque pas à deux. Ouais, forcément. Je vais ramener ma gueule, moi. Ça commence à être compliqué, hein. Oui. Mais c'est un délire. Enfin. Allez voir. Bon. Mais je fais que foirer mes attaques, je sais pas ce qui se passe. C'est bon ? Allez, on y va. Avec plaisir. Ouvrez cette porte. Allez. Carrément. Les éléphants. Vous suivez, général ? Il fallait qu'on soit à Rome pour qu'ils ramènent des éléphants. C'est quand même dingue. Toujours sur la flex de courir avec avec A. Hein. C'est... Les meilleures habitudes ont la vie dure. Okay. Putain, je me raccroche en tout aujourd'hui. C'est, c'est l'enfer. Réserve d'archers de la 19e, général. Suivez-moi. À vos ordres. En bas. Hop. En bas. Salaud. Mon dieu. Ah ça j'aime pas là, comment on vise ça. Cette main supporte vraiment le système de visée. Ça m'en fout. Ça m'a toujours rendu fou, mais là ça m'en fout encore plus fou vraiment. J'aime pas du tout. Le seul truc qui merde dans le jeu, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, il vise les mauvais gars en plus. Non, mais non. Mais... Ouais, mais c'est un peu en train de me taper sur les nerfs, un tout petit peu. Tout de même.
Non mais tranquille, hein. Y'a un mec tout seul avec un arc, va me niquer. Vraiment. Mais qu'est-ce que j'aime pas leur système de merde. Qu'est-ce que c'est nul. C'est dommage, hein. Putain, moral flanche. Mais les gars, ça va. Ils nous ont fait plus que ça, ne vous inquiétez pas. Il suffit, c'est dans l'autre sens, toi. Alors. Comment est la situation? Voilà Boudica, général. Sur l'éléphant. Elle essaie de percer les défenses du palais. De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général. Ah, super. S'il fout la lune. Ne reculez pas trop. Leur archer quadrille toute la zone. Ah. Ok. Bon, juste aller tuer les gars. Voilà Boudica, général. Sur l'éléphant. Elle essaie de percer les défenses du palais. Ok. De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général. Ah ok, ah ok, ah ok, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est épique un peu là. Wow. Ah ouais. T'es trop là de... Désolé pour l'éléphant, rien de personnel. Oui. Il tombe en finir. Moi c'est Marius. Cette fois, okay. Tu te rendras ou tu le paieras. Et te laisser détruire Rome? Jamais. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire. Allez, combat au soleil couchant. Ah ouais, bah super. Oh oui. Oh oui. Non, pas comme ça. Pour tout. Allez, viens. Ah oui. Enfin, je dévie trop tôt l'attaque. Oui. Ah, c'est enchaîné là. Oh là là. Le soleil, c'est plus stylé. Comment ça s'énerve là? Elle commence à s'énerver. Putain, j'ai que de la merde. Voilà. Ce que faire nous 8 hein. Si j'avais été plus concentré, j'aurais pu. Rends-toi. Allez, Boudica. Ah bah ok.
What the fuck? Ok, ok, ok. Rien. Ok. Il faut que je comprenne son... Ok, bien ça. Tantôt. Oui. Putain, j'annonce 5 coups, elle est balèze. Oui. À chaque fois trop tôt ça. Oui, pas mal. Je suis pris le petit coup mais pas le final. Putain, merde. Le 2 à moitié de la vie. Oui. Oui. Dommage. Allez, laisse point de fenêtre pour être attaqué maintenant. Est-ce que ça va jouer en 3 phases? Dommage. Ah, c'est vrai, il se couche vraiment en fait. Ah, dommage. Je suis nimp là. Ah, je suis nimp! Mais quel enfer! Mais je suis trop con! Mais je suis trop con, putain! Au courant. Non. Mauvais timing. Allez. Oui. Trop tôt. Ouais, t'as beaucoup moins de... d'occasion de frapper. Bien, hein. Quand ça se passe bien comme ça, c'est beau. Hein. Voilà, je suis presque imparable. Ouais. On peut pas faire grand chose là. Hein. Oh là là. Oh les 5 coups. Tu calmes. Marius, fils de Rome. Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Le destin a fait de nous des ennemis. Mais dans une autre vie... Dans une autre vie, peut-être. Pas dans celle-là. Non. Pas dans celle-là. Vas-y, Romain. Vas-y. Centurion Severus, à moi! Expose ça à l'endroit le plus élevé que tu trouveras. Les barbares sont furants à sa vue. La victoire sera à nous. Puisque tu n'es pas là pour me protéger, que veux-tu? Tu as fait assassiner ma famille. Rome est en ruine par ta faute. Tout ce qui s'est passé... ces morts inutiles...
C'est ta jalousie, ton orgueil et ton arrogance qui en sont la cause. Attends. Aurais-tu oublié la prophétie de l'oracle ? L'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Je suis le seul à pouvoir me tuer, tu l'as dit toi-même. Les dieux t'en voudraient. Et donne-moi ta dague, général. Que ma mort soit celle d'un empereur. Même si ma vie ne l'a pas été. Tu m'as dit que vous aviez vaincu les barbares. Donc ? Ce ne sont pas eux derrière cette porte. Ce sont mes prétoriens. Garde ! Damoclès est ici ! Il veut me tuer ! Protégez-moi ! Marius. Cher Marius. As-tu la moindre idée de tous les ennuis que tu m'as causés ? Sais-tu tout le mal que je me suis donné pour mettre tout cela en place ? Alors déjà, je pensais pas qu'il allait tuer la meuf, tu vois. Mais là, waouh. En plus, j'ai presque plus de vie. Là, bon. Hein ? Quoi ? Ah oui, c'est parce que j'ai pas de vie. Là, ça m'a foutu un coup de stress. Hein ? Ah oui. Oh, j'ai eu peur. J'ai vraiment peur de ma vie, hein. Ça de pire. C'est incroyable. La séquence, elle est folle. Pardonne pas. Je suis abasourdi par la mise en scène du truc. Ah merde. Ouais, c'est pas loin.
Imagine un film avec un plan séquence comme ça. La dinguerie quoi. Rome finit par panser ses blessures, et sa civilisation fleurit de plus belle. Sauvée par un héros méconnu, la ville devait perdurer des milliers d'années. Et il en serait ainsi, jusqu'au dernier jour des hommes. Waouh. Alors, comme prévu, je résume en cours. Mais putain, quelle expérience. Je rachète déjà les critiques. Mais le jeu, il est nul. Tu fais qu'avancer, frapper. Voilà. Voilà, qu'on soit d'accord tout de suite, comme ça je rachète. Mais je me fais traiter d'aigri, tu vois. Alors faut qu'on m'explique comment un pseudo aigri comme moi, d'après les gens, kiffe ce jeu-là, mais ce jeu-là se fait défoncer par les autres. Chelou. En vrai, il remplit totalement son rôle de beats and all, peplum, qui est en plus un sujet très rare dans les jeux vidéo. Vitrine technologique incroyable, qui n'a servi à rien, parce que par la suite, il n'y a pas eu de jeu super beau, pas aussi beau tout du moins, même sur Xbox Series X. Petite histoire sympatoche, un peu de mythologie, tout ça. Un poil de surnaturel, plus qu'un poil, mais bon, t'as compris. Oh, les musiques, alors la musique, elle vole carrément, incroyable la compo. Bah, en vrai, ça me va. Ils auraient fait 10 heures, ça aurait été chiant en fait. Là, c'est bien. C'est. Peut-être, tu vois, l'arène était un peu plus faible, je pense, peut-être. C'était l'épisode d'avant, je crois. Mais d'autre côté, bon. C'était une sorte de... Une façon de retracer ce qu'on a déjà traversé avant le chapitre final. Donc en fait, voilà. C'est... Waouh. J'aime beaucoup. Est-ce que ça mérite un Rise 2? D'un côté, oui, parce que j'ai envie d'avoir une expérience comme ça où je me prends vraiment plein la gueule, techniquement. Parce que ça fait du bien d'avoir juste des jeux techniquement beaux, tu sais. Je suis fan, hein, des petits jeux indés, des jeux au design bien particulier, à la DA atypique. Je suis fan. Mais, bah, je suis un joueur polyvalent.
et j'aime des fois avoir des gros blockbusters, tu vois, vraiment bien nickel techniquement, qui sont pas forcément avec un milliard de références et de réflexions, etc. Il en faut pour tous les goûts, tu vois. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ça aussi. Tu vois. J'aime bien. Je trouve le jeu incroyable. Est-ce que j'en ferai un test? Oui, peut-être, je sais pas, tu vois. C'est vrai que je suis moins à faire des tests maintenant, en vrai. J'ai plus trop l'envie d'en faire. Enfin, d'un côté, si, mais je sais pas. J'ai pas le petit truc, tu sais, qui me donne envie d'en faire. Pourtant, j'aime bien. Putain, j'aime bien quand des gens me demandent. J'aime bien résumer un jeu, leur expliquer sans spoiler. Puisque c'est ma particularité, c'est que je peux t'expliquer un jeu sans spoil du tout, tu vois. Donc, je te réserve toutes les surprises. Je fais en sorte de te montrer des parties du jeu, t'expliquer des choses qui te permettent d'avoir toutes les surprises. Mais bon. Incroyable. J'espère qu'il y a une scène post-générique. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que je te laisse ici ou est-ce que j'attends la fin du générique? Bonne question. Je suis curieux de savoir s'il y a quelque chose à la fin. Écoute, pendant que ça se passe, en tout cas, n'hésite pas à checker. Il y a une description, évidemment, si tu as envie de me voir en live. Instagram, Twitter, TikTok, tout ça, tout ça. Je poste quelques conneries sur TikTok. Donc... Instagram, essentiellement de la photo. Donc, n'hésite pas. Ma chaîne de VOD aussi, si tu vois déjà ce qui a été fait en live, ça donne un assez bon résumé de ce que je fais. Et puis comme d'hab, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé de Rise, si tu l'as fait toi aussi de ton côté, maintenant tu peux dire ce qu'il en est, parce que vu que c'est le dernier épisode, bon bah tu peux spoil entre guillemets, vu que voilà, si des gens lisent des commentaires, ça va être problème. Tu vois, que tu le fasses sur le premier épisode ou la découverte, non, faut pas. Mais là, bon, si les gens sont arrivés jusque là, théoriquement, faut pas nous reprocher de spoil ou de parler de la fin, vu que c'est la fin, littéralement. Donc voilà. Sinon... Ouais, non. En fait, tu vois, ce genre de jeu, c'est cool, t'as bien kiffé, voilà. Tu sais, tu vas pas non plus y penser pendant 30 ans. Mais ouais, c'était cool, j'ai bien aimé. Du coup, là, jusqu'au bout du générique. Ou je te dis au revoir maintenant, je ne sais pas. C'est quoi, je dis au revoir maintenant, et puis si c'est pas générique, je la laisserai, de toute façon, je laisse le générique, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé tous les épisodes, si t'as arrivé jusque-là, merci. Et je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. N'oublie pas, car moi je n'oublie pas. À la prochaine. Tchuss.